Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un unboxing et oui, encore un nouveau partenariat avec la société Globeland. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette société. En fait, c'est la sœur de Babycraft. Ils m'ont contacté quand ils ont découvert ma chaîne. Et voyant que je fais diverses activités, ils m'ont proposé de choisir des articles. Chose que j'ai fait. Donc, ces articles, comme vous l'aurez compris, sont différents de ce qui est DP, point de croix ou autre. C'est une activité que je faisais avant de connaître le DP, donc du scrap. Donc, je vais vous présenter des articles. Après, même si vous ne faites pas du scrap, si vous adorez faire genre des petites cartes postales ou quoi, des articles, voilà, impeccables. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Faut que je les retrouve. Je vous mettrai le lien de leur site, qui est vraiment très, très, très complet. J'ai hésité sur beaucoup d'articles. C'est génial. Et vous aurez aussi un code promo en tapant Kate5, pardon, de 5%. Voilà. Donc, les articles. Premier article. Des tampons de panda. Celui et celles qui me connaissent savent que j'adore les pandas. Donc voici. Donc ce sont des tampons clairs et qu'on met sur des petites plaques acryliques. Voilà, tout simplement. Donc ça se présente comme ceci avec la feuille de protection. Et vous voyez, je vais vous montrer un par exemple. Donc vous avez le gâteau d'anniversaire. Ah, je suis même pas droite de... Attendez. Non. Je vous bouge un peu. Pas trop. Voilà. Donc, par exemple, le premier panda. Vous voyez. Après, vous pouvez tous les retirer, en fait, et les remettre à leur place. Et vous le mettez sur une petite tablette acrylique. Vous mettez votre tampon. Et vous tamponnez tout simplement. De toute manière, je vous ferai une vidéo par semaine ce mois-ci pour vous présenter les différents articles et qu'on fasse des petites choses avec si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me demander ce que vous souhaitez voir. Donc voici, premier article. Second article, des tampons également. Non. Pareil, hein, ceux et celles qui me connaissent, j'adore le café, j'adore le thé. Vous verrez ce que j'ai en choix chez moi. Non, mais c'est même pas possible. Donc voici. Je vais vous montrer sur fond blanc. La théière, la tasse, une plume avec l'encre. J'adore les papillons, pour ceux qui aiment les papillons. Petit grain de café qui vont avec la tasse. Des livres, ceux qui me connaissent savent que j'adore les bouquins. Voilà, on a pas mal, on peut faire différentes choses. Après, je vous montre le troisième article qui se concorde avec le tampon du coup. Un magasin que tout le monde connaît très bien en fond, mais là j'ai trouvé vraiment très sympathique celui-ci et je vais aussi, mais je vous montrerai pas si vous le voulez. Parce qu'il est entièrement transparent. Alors, si je vous montre pas, alors, il est très bien protégé. Il est entièrement en acrylique. Je vais vous montrer pour mettre un tampon. Elle est quadrillée. Vous voyez. Elle est quadrillée. Donc, ça permet, en fait, si vous travaillez sur une grande feuille, hein, je sais pas comment vous expliquer, en fait. Donc voici, c'est bien parce qu'en fait ça rentre, hein. Bon, ça fait un peu de bruit, c'est pas grave. Alors regardez, on va retirer celui que j'ai déjà sorti tout à l'heure, premier panda. En fait, vous le mettez ici, voilà, vous mettez votre tampon, votre feuille de carte, désolé, elle va être là. Et après, quand vous fermez, hop, ça va tamponner. Là, j'ai pas le tampon sous la main, donc je peux pas vous montrer. Ou alors, vous pouvez très bien l'utiliser comme ceci.
préféré l'utiliser de ce côté. Voilà, pareil. Bon, ça fait un peu de bruit là. Bon, après, c'est pas le bruit qui fait la qualité. Il est de très bonne qualité. Voilà. Je vais remettre le petit panda. J'adore les pandas. J'adore les tigres, les pans. Enfin bon, je suis pas la seule, je le sais. Allez, je rangerai tout ça plus tard. Et le dernier article, ce sont des dies. Donc, moi, j'ai une machine achetée dans un fameux magasin très connu où vous posez les dies, vous voyez, comme ceci, pour pouvoir découper, en fait. Et là, ce sont des dies marque-page spéciales pour faire des marque-pages. Alors, quand j'ai vu ça, ben, fan à des livres, hein. Donc là, vous en avez un. Je vais montrer sur la feuille. Hein. Voilà. Faites ça sur un papier très épais. Vous avez le fameux chat qui est très connu. Un petit lapinou. Et là, c'est pour faire, alors, des marque-pages d'angle. Alors ça, je vous le montrerai. On fera une vidéo là-dessus. Donc, en fait, c'est pour inclure votre feuille de livre à l'intérieur. Et tous ces petits dies, là, c'est pour faire un visage. Alors, vous avez soit un panda, soit un lapin, un petit cochon. Non, pas un cochon, mais différents animaux. Voilà, je vais y arriver. Donc voici mes choix que j'ai fait chez le site Globeland. Je tiens à les remercier énormément de m'avoir contacté, de m'avoir fait confiance. Je ferai des vidéos de démonstration, enfin pas de démonstration, mais ni de tuto, mais de blabla, et on fera des petites cartes ou quoi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens encore à remercier les abonnés qui restent sur ma chaîne. Parce que je sais pas, là il y a une frénésie de désabonnement. Mais c'est pas un souci. Le concours que j'ai prévu est toujours maintenu. Il n'a pas été lancé encore, mais il est toujours prévu. Donc même si les 600 on descend dessous, vous inquiétez pas. C'est prévu, je promets, je fais. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.